Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil à The Warlock of Firetop Mountain. Alors qu'est-ce que c'est The Warlock of Firetop Mountain Eh bien, comme le jeu l'indique relativement bien, il s'agit d'une adaptation du livre jeu de rôle dont vous êtes le héros de Steve Jackson et Ian Livingstone qui était sorti, il me semble, en 82 ou en 83. Ces bouquins étaient ensuite devenus une série. Il me semble qu'il y avait plusieurs bouquins, jeux de rôle dont vous êtes le héros, mais également des romans et peut-être même un jeu de plateau. Je me souviens plus très bien, je dois dire, ça date un peu tout ça. Et désormais, on a une adaptation en jeu vidéo qui va reprendre euh, vraiment, de par son gameplay, une ambiance très justement jeu de plateau, très euh, bouquin dont vous êtes le héros, comme vous allez le voir. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'on a euh, une narration qui va se faire de manière. Euh, Très livre, n'est-ce pas On a littéralement des pages. On peut d'ailleurs colorer et décolorer les illustrations, ce qui sert pas à grand chose dans l'absolu, mais c'est relativement classe. Et euh, on va parcourir une série d'épreuves de combat et de pièges aux commandes d'un héros jusqu'à arriver à notre objectif. Alors techniquement, on fait la même aventure à chaque fois, ce qui est d'ailleurs l'un des trucs qui m'enchante pas nécessairement sur le jeu. Mais chaque héros va avoir un petit peu son objectif particulier. Donc par exemple si je prends euh, ce, ce héros là, la Aran Godspeed, son objectif c'est de s'entraîner pour une épreuve. Et du coup, il veut tuer beaucoup de gens. Donc si tu traverses la montagne en te faisant discret, en essayant d'éviter les combats et en arrivant jusqu'au boss final, en n'ayant peut-être pas tué suffisamment d'ennemis, bah, peut-être que tu vas pas avoir réussi son entraînement et du coup peut-être que tu ne vas pas avoir la bonne fin pour ce personnage des personnages jouables comme vous pouvez le voir il y en a quatre débloqués de base et tu peux en acheter d'autres avec les âmes que tu vas récupérer au fur et à mesure de tes aventures donc on a ces quatre là aussi ces quatre là aussi ceux là ils sont pas encore disponibles voilà vous pouvez voir ils sont marqués en coming soon donc euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront intégrés au jeu et visiblement il y a encore d'autres groupes qui seront intégrés plus tard donc, euh, au moins, on sait que les développeurs euh, ont l'intention de mettre à jour leur jeu sur le long terme. Mais évidemment, chaque héros va avoir des stats différentes, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici. Euh, stamina, c'est plus ou moins ta vie et ta robustesse. Skill, ça va non seulement te servir au combat sur certains lancers de dés, mais également pour toutes les épreuves qui demandent un peu de talent. Luck, évidemment, c'est la chance qui va te servir sur toutes les épreuves qui vont demander d'avoir du bol. On peut également regarder leurs différentes attaques ici, ce qui va avoir son importance plus tard, je vous le montrerai lorsqu'on sera dans le jeu. Et ils vont également avoir des petites interactions uniques euh, au fur et à mesure de l'aventure. Donc parfois tu vas rencontrer des personnages ou des manières de te sortir des preuves différentes en fonction du personnage que tu joues. Euh, la raison pour laquelle c'est très important tout ça... On va se appeler didacticiel parce qu'on s'en fout un peu. La raison pour laquelle c'est très important, tout ce que je suis en train de dire, le fait qu'il y ait quelques expériences différentes avec les héros et éventuellement les stats et compagnie, c'est que c'est pas un jeu qui a une génération euh, aléatoire, n'est-ce pas, de son aventure. Donc techniquement tu refais toujours le même donjon, ce qui est à mes yeux quand même un problème parce que c'est pas un jeu qui est non plus extraordinairement lent. Faut compter un petit peu plus d'une heure pour finir un run. Si évidemment tu survis jusqu'à la fin d'un run. Et du coup, le fait que tu traverses toujours euh, le même endroit peut devenir un peu répétitif à terme, mais le seul moyen d'ajouter un petit peu de rejouabilité à tout ça est justement le fait que tu peux jouer différents héros qui vont parfois avoir différentes approches ou au moins avoir quelques options euh, variées. Mais malgré tout cela, c'est quand même pas un jeu qui est extrêmement puissant d'un point de vue euh, rejouabilité, je dois dire. Et c'est probablement l'un de ses défauts principaux. Donc comment est-ce que l'on joue dans ce jeu Eh bien c'est comme je l'ai dit euh, très basé sur le côté jeu de rôle dont vous êtes le héros. Donc en gros on va arriver à des endroits qui vont généralement être représentés par des petits drapeaux par terre et on va avoir une décision à prendre. Donc là par exemple je peux aller à l'ouest, je peux aller à l'est, je vais aller à l'est. Vous pouvez voir là il y a un petit drapeau ce qui veut dire en gros que c'est euh, une jonction dans le scénario ici. On entend... Euh, le bruit de pas qui arrive dans le coin donc je vais avoir euh, plusieurs options sur ce que je veux faire je peux me préparer à affronter les ennemis qui arrivent ou je peux essayer de me cacher pour justement les esquiver donc là par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure il y a un des héros que tu peux jouer qui cherche à tuer un maximum d'ennemis donc si je l'avais incarné ici j'aurais probablement voulu euh, participer au combat parce que ça m'arrange vis-à-vis de mon objectif personnel. Avec un autre héros, peut-être que tu vas pouvoir la jouer, vouloir la jouer un petit peu plus subtil et essayer d'attendre. Là, je peux sortir pour essayer de surprendre les créatures qui sont dans le corridor. Je peux quitter ma cachette et continuer à l'est ou rester caché un petit peu plus longtemps. Je vais quitter ma cachette et aller à l'est. Apparemment, là, on a une option. Donc, on a une, une porte en bois qui a l'air bien solide. Et je vais avoir plusieurs options pour l'affronter. Donc, je peux tout simplement retourner en arrière. Je peux essayer de la charger ou je peux essayer de la kicker. Bon, j'ai déjà joué au jeu, donc je sais qu'il vaut mieux la kicker que la charger. Et une fois de plus, pour moi, c'est vraiment l'un des défauts euh, principaux de ce jeu. C'est que... Les aventures de ce type-là, c'est surtout intéressant quand tu sais pas à quoi t'attendre, c'est-à-dire quand tu sais pas vraiment comment t'adapter à la situation euh, ou ce que tu dois accomplir. Et le problème, c'est que comme le donjon, enfin l'enchaînement de donjons, parce que techniquement c'est plusieurs donjons, euh, change pas d'un personnage à l'autre, malgré les quelques petites options adaptées, disons, aux différents héros que tu vas jouer, bah... C'est pas super super rejouable quand même, je trouve, parce que certes les héros se jouent pas exactement pareil, certes ils vont avoir des options différentes et surtout euh... au combat ils vont pas se jouer exactement pareil, mais euh... ça change pas le fait que quand tu vas repasser la deuxième, la troisième ou la quatrième fois, bah tu vas connaître le donjon un peu par cœur, ce qui la plupart du temps va te permettre d'esquiver pas mal de problèmes. Cela par exemple la porte, si je l'avais chargée, comme vous pouvez le voir. C'est un trou en contrebas avec une échelle derrière, donc si je l'avais chargé, je serais tombé et je me serais fait mal. En l'occurrence donc je l'ai kické pour éviter justement de tomber et de me faire mal. Donc euh... c'est quand même un, un, un souci qu'il est difficile d'ignorer, de... je dois dire, de, de ce côté-là, parce que... Parce que ça, ça enlève quand même une grande partie de l'intérêt de ces bouquins justement dont tu étais le héros qui était j'ai absolument aucune idée de ce qui m'attend si je prends cette décision ou si je prends celle-là. Alors que là plus tu vas avancer et bah, plus tu vas savoir ce qui t'attend. Alors après évidemment c'est un jeu qui euh, peut te flinguer et la mort peut y être euh, définitive. Puis en fait là vous pouvez voir j'ai des pierres de résurrection. Donc en gros, lorsque tu meurs, tu as l'option d'utiliser une pierre de résurrection, ce qui te ramène au précédent checkpoint. Dans les donjons, il y a en fait des bancs sur lesquels tu peux te reposer. Pour récupérer un petit peu de vie de temps à autre. Et ça sert également de checkpoint. Donc quand tu meurs, tu peux avoir l'option d'utiliser une pierre de résurrection. Ça te ramène à ton checkpoint précédent. Mais ça consomme euh, toutes les âmes que tu avais récupérées entre temps. Ou alors tu peux tout simplement choisir euh, de mourir de manière définitive. Et vous pouvez voir qu'on peut euh, ressusciter que trois fois. Là vous pouvez voir ma quête. Donc comme je l'ai dit, euh, en fonction de la personne que tu joues, tu vas pas nécessairement avoir la même quête. Donc là, il faut que je trouve une amulette. Euh, avec un autre personnage, peut-être que tu vas devoir tuer quelqu'un, comme un minotaur. Euh, peut-être que tu vas devoir trouver quelqu'un. Peut-être que tu vas devoir trouver un trésor particulier. Donc il y a quand même des objectifs et des interactions différentes d'un personnage à l'autre. Mais vraiment le fait que le donjon soit le même à chaque coup, c'est vraiment problématique, je trouve. C'est vraiment problématique parce que du coup, euh, ça rend non seulement le jeu... Beaucoup moins surprenant au fur et à mesure que tu vas y rejouer, mais également franchement répétitif, euh, ce qui est vraiment gênant, je trouve. Donc là, on rencontre un orc qui est en train de dormir à son poste. J'aime vraiment bien les, les, les illustrations, je les trouve vraiment cool. Elles sont très, euh, très ambiance 1980, justement. Euh, le fait que tu puisses les colorer ou pas, comme j'ai dit, ça sert vraiment à rien, mais bon, pourquoi pas, c'est joli aussi. Mais je les trouve plutôt rigolote et à de nombreuses interactions importantes, disons. Tu vas avoir une petite illustration pour te montrer, ok, ici tu as une décision majeure à prendre. Donc là, je me retrouve devant un garde qui est endormi. Je peux le réveiller pour l'affronter ou essayer de passer discrètement. Je n'ai pas vraiment de raison de chercher ouvertement le combat ici. Donc je vais essayer de passer discrètement, ça va me permettre de voir le système de skill. Voilà je suis passé sans problème. Donc ça, par exemple, c'est une interaction euh, unique à ce personnage. Sur certains autres personnages, lorsque tu passes ici, tu vas devoir euh, faire un test avec ce personnage que je joue. Là, j'ai pas eu besoin de faire un test parce que je suis déjà suffisamment discret. Pareillement, là, j'arrive devant deux chiens orcs qui sont enchaînés à un mur. Euh, tu peux les affronter. Voilà, où tu peux essayer de les distraire avec de la nourriture. Dans la cave où je suis allé tout à l'heure, parce que comme j'ai déjà joué au jeu, je sais que dans la cave qui est à droite, tu peux trouver de la nourriture. Donc je vais les distraire avec le morceau de viande que j'ai trouvé tout à l'heure. Ce qui va me permettre de passer discrètement. Donc comme vous pouvez le voir, as quand même des options différentes de gameplay. Parce que là évidemment si je jouais le personnage que je vous ai montré au tout début, qui est un personnage qui veut vraiment se friter avec tout le monde, bah, j'aurais réveillé l'orque parce que je veux le tuer. J'aurais combattu les chiens parce que je veux les tuer aussi. Je me serais pas caché dans la grotte au début parce que je veux affronter les gens qui sont dans la grotte. Parce que je veux tuer un maximum de monde jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon aventure. Donc... Euh, T'as des différences d'approche mais l'endroit où t'as les différentes approches reste euh, complètement similaire. Donc ça c'est un point de sauvegarde en gros, euh, ces espèces de bancs que l'on va croiser de manière assez régulière dans le jeu. Généralement il y en a au moins deux ou trois euh, par niveau de donjon entre guillemets. Après t'as évidemment euh, les niveaux de donjon qui sont eux-mêmes des espaces séparés. Donc là je vais m'asseoir à me reposer. J'ai pas vraiment besoin de consommer de provisions parce que j'ai pas perdu de vie pour l'instant. Donc je vais juste m'asseoir à me reposer ce qui me permet de sauvegarder. Voilà, je récupère 5 de stamina mais j'en avais pas perdu. Donc c'est pas un gros problème et on va continuer notre aventure. Quoi que tu fasses lorsque tu te reposes au banc, tu récupères un peu de vie. Si tu as vraiment perdu pas mal de vie, tu peux consommer une partie de tes provisions et ça double la quantité de vie que tu récupères. Tu peux également consommer tes provisions à n'importe quel moment lorsque tu as perdu de la vie, mais si tu le fais lorsque tu es dans le donjon, tu récupères moins de vie que si tu l'avais fait sur le banc. Donc en gros il faut bien exploiter. Euh, bien exploiter le banc. On va essayer de voler la boîte de cet orc. Donc là on a un test qui, comme vous pouvez le voir, est un test de chance. Donc j'ai 10 de chance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque je vais lancer ces 2 dés, il faut que j'arrive à un résultat qui est inférieur à mon score de chance pour réussir le défi. Donc plus ton score est élevé. Plus que tu vas devoir atteindre pour rater entre guillemets va être élevé. Donc plus il va être facile de réussir un défi euh, de chance. Ou d'autres choses d'ailleurs. Donc là par exemple j'ai lancé un 6. Donc j'ai lancé en dessous de 10. Donc j'ai eu de la chance. Je vole la boîte et si je me souviens bien, il y a des pièces d'or dedans. Voilà. Les pièces d'or, elles sont moins utiles que je l'aurais voulu. Tu trouves un. Ou tu trouves même plusieurs. Euh, personne avec qui euh, tu peux interagir de manière commerciale au fur et à mesure du jeu que ce soit tout simplement un marchand ou euh, des gens que tu puisses par exemple payer pour qu'ils t'emmerdent pas donc tu peux par exemple payer euh, un gobelin pour éviter un labyrinthe euh, ou ce genre de choses euh, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait plus d'interaction de ce côté là parce que sur certaines aventures je me suis retrouvé à ramasser beaucoup d'or et à faire littéralement rien avec ce qui est pas super intéressant je veux dire. Alors ici, nous avons une pièce. Ah oui, je m'en souviens ici. Nous avons une pièce avec une boîte. Bon, je sais que la boîte est piégée, mais je vais l'ouvrir quand même parce que c'est drôle. Voilà, donc dans la boîte, il y a un serpent. On peut une fois de plus colorer et décolorer l'illustration. Ça va me permettre de vous montrer le système de combat qui est assez particulier. Donc c'est quand même... Plutôt important que je vous le montre. Avec ce personnage-là, j'aurais tendance à vouloir jouer de manière peut-être un peu plus euh, discrète et à esquiver la majorité peut-être des affrontements plutôt que de chercher ouvertement les ennuis. Mais bon, c'est un moyen de vous montrer le système de combat, donc autant le faire. Donc le système de combat, comment il fonctionne Alors déjà, c'est du tour par tour simultané. Ce qui veut dire qu'on a le temps, comme vous pouvez le voir, de prendre nos décisions. Mais que nos décisions à notre héros et à nos adversaires vont se dérouler en même temps. Donc un petit peu comme Atlas Reactor par exemple ou Frozen Synapse. Qu'est-ce que l'on peut faire sur notre tour On peut bouger et on peut attaquer. Donc en bleu là vous pouvez voir les endroits où je peux bouger. Bon évidemment je ne peux pas bouger sur la table. Et en orange vous pouvez voir que j'ai une portée d'attaque relativement cool, ce qui est un des avantages de ce personnage vu qu'elle utilise une lance. Donc on va avoir plusieurs types d'attaques qui vont attaquer sur plusieurs endroits comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous pouvez voir, je peux attaquer cette case-là, cette case-là, je peux attaquer droit devant ou je peux attaquer là. Et en fait, ce qu'il va falloir faire dans ce jeu, comme dans la plupart des jeux d'ailleurs, qui sont en tour par tour simultané, ça va être de non seulement chercher à tuer les ennemis, mais également prévoir leur mouvement. Donc là, je sais que ce serpent, par exemple, il y a peu de chances qu'il m'embrouille parce qu'il est un peu loin. Celui-là, il est à côté de mes fesses, donc il y a de fortes chances qu'il essaye de m'attaquer là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ici pour esquiver, par exemple, une de ses attaques. Là, je vois qu'il est loin et je vois que, en gros, ses options sont de bouger par là ou de bouger par ici ou d'attaquer cette case. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas bouger sur cette case et je vais utiliser une de mes attaques spéciales qui est Poison Strike, qui est mon attaque qui a beaucoup de portée. Parce que je sais que s'il bouge là ou s'il ne bougeait pas, de toute façon, j'allais pouvoir le toucher. Donc, là, je lui ai causé des dégâts et il va même prendre des dégâts autour d'après. Bon là, en règle générale, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait essayer d'esquiver son attaque parce que j'ai pas envie de me faire toucher, mais je vais attaquer quand même sur cette case parce que je veux essayer de vous montrer quelque chose d'intéressant. Non, pour le coup, ça n'a pas fonctionné <laughs> parce qu'il a attaqué en biais. En gros, ce que je veux vous montrer, c'est ce qui se passe lorsque deux personnes s'attaquent lorsqu'elles sont en face à face, euh, vu que ça déclenche une attaque spéciale. Je vais essayer là-dessus aussi. Non, une fois de plus, ils ont attaqué à côté. Le truc c'est que certains ennemis ont des attaques euh, différentes. Donc euh, l'un des trucs les plus importants dans ce jeu c'est d'apprendre, lorsque tu es au combat, comment ton ennemi agit. Parce que là vous pouvez voir par exemple les serpents depuis tout à l'heure ils attaquent en diagonale. Ce qui me laisse à penser qu'ils ont peut-être pas d'attaque qui frappe devant eux en gros. Et ça va être un truc très important à apprendre, parce que là ça peut paraître assez basique, ce que je suis en train de faire, mais lorsque tu vas avancer euh, dans le jeu... On va tenter un Poison Strike là parce que je pense qu'il va bouger sur cette case. Lorsque tu vas. Ouais, malheureusement, il n'a pas bougé sur cette case. Lorsque tu vas avancer dans le jeu, tu vas croiser beaucoup de monstres qui vont avoir des comportements peut-être un peu bizarres et euh, peut-être un poil peu imprévisible. Donc par exemple, euh, tu vas avoir des gens qui vont regarder dans la direction où il bouge. Donc par exemple, lui, vous pouvez voir, il regarde devant lui. On pourrait se dire, il va bouger par là. Mais tu vas également croiser des gens qui, à l'inverse, vont bouger dans la direction où ils ne regarde pas ou vont bouger dans une autre direction euh, complète. Donc euh, tu, tu vas avoir quand même euh, de nombreux moyens, disons, d'apprendre ce que tes ennemis vont faire de manière à être certain de, de pouvoir les contrer, c'est pas une bonne position non plus. J'ai vraiment pas les bonnes attaques avec elle pour affronter les serpents ni donc euh, d'avoir les bons moyens de les, de les contrer et euh, d'apprendre les mouvements de chaque, chaque ennemi. Donc euh, peut-être qu'un serpent attaque en diagonale, peut-être qu'un gobelin va attaquer devant lui bêtement, peut-être qu'un squelette va bouger que sur les côtés. Euh, donc il faut vraiment apprendre chaque monstre de manière à réagir de, bonne de la bonne manière justement et surtout de bien adapter tes attaques. Euh, chaque personnage a un, un arsenal d'attaques différents. Donc euh, par exemple avec elle comme vous pouvez le voir on a une super attaque qui tape loin ce qui est cool parce qu'elle a une lance. Mais euh, avec un autre personnage peut-être que tu vas pas du tout avoir cette attaque qui tape loin. Peut-être que tu vas avoir une attaque qui tape tout autour de toi, qui tape derrière toi, qui tape, tape en diagonale, qui tape droit devant donc. Euh, il y, y a quand même un, un certain degré d'intérêt et un certain degré de variété qui est apporté euh, par euh, le casting de personnages. Salut les gars, l'air en bonne santé tous les deux. Je peux essayer de m'enfuir, je peux essayer de les affronter ou je peux leur crier dessus. Je vais essayer de les affronter juste histoire de montrer encore un petit peu plus de, de combat sur le jeu. Je pense que c'est quand même important de montrer à quel point il y a, il y a tout de même un certain degré de d'intelligence à connaître dans le jeu. Donc lui, il regarde par là. Je pourrais me dire, il va probablement bouger par ici. Après, il est peut-être possible qu'il ait une attaque en diagonale. Ou il est peut-être possible qu'il bouge sur ce côté-là. Je vais partir du principe qu'il va essayer de bouger par là. Donc je fais un slash ici. Ok, il a attaqué en diagonale, mais j'ai attaqué également sur sa case. Donc là, on a eu ce qu'ils appellent un test de skill. Comment est-ce que ça fonctionne le test de skill En gros, ça prend ton score de skill. Donc vous pouvez voir que j'ai 9 en skill. Et vous pouvez voir que euh, le gobelin en face a 4. Donc ça prend ton, ton test de skill, ça les compare tous les deux. Ensuite, ça lance 2 dés. Les 2 dés sont ajoutés à ton skill, donc par exemple je vais lancer, euh, je sais pas, un 1 et un 2, donc ça va faire 3, plus mon 9 en skill, ça fait un total de 12. L'ennemi le, va lancer, on va dire, 3 aussi, histoire de pas se fatiguer avec les maths, il va avoir un total de 7. La personne qui a le skill le plus élevé entre les deux va être la personne qui va infliger des dégâts euh, autour d'après. Euh, on va faire une attaque devant, là, parce qu'ils ont l'air d'attaquer qu'en diagonale, ce qui m'arrange beaucoup voilà donc c'est vraiment une question non seulement d'apprentissage de tes adversaires mais euh, également euh, de bien prendre en compte le fait que contre un adversaire qui a beaucoup de skills tu vas vraiment pas vouloir faire un clash, parce que si vous attaquez tous les deux sur la même case, il va avoir plus de chances de t'endommager que lui. Après, il y a des passages où un adversaire qui a moins de skill va causer des dégâts sur un clash, comme ça a été le cas par exemple sur ce combat, vu que le premier clash je l'ai perdu alors que j'avais beaucoup plus de skill que le gobelin, euh, que l'orque bourré que j'affrontais. Mais euh, tu sais par exemple que si t'as plus de skill, bah, peut-être que tu vas pouvoir euh, tenter justement euh, de, de créer des clashs plutôt que d'essayer d'esquiver des attaques et... Euh... Ah tiens, je suis déjà passé dans cette pièce, mais j'étais entré dans l'autre sens la dernière fois. Euh... Tu, tu peux essayer justement de, de créer des clashs et euh... de te dire j'ai plus de skill donc... Euh... Quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, j'ai plus de chances de réussir le clash que mon adversaire. Ok. Donc le type avec le fouet, je sais qu'il peut attaquer loin, parce que je l'ai déjà affronté par le passé. Mais il peut pas tirer hors diagonale je crois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bouger là. Ce qui était pas malin de ma part du tout. Euh, on va se bouger ici. Toi t'attaques en biais. Du coup on va te donner une attaque devant. Tu t'es éloigné. Cela dit là, il est. il a peu d'options pour bouger lui. Voilà, on va lui mettre un coup de poison dans la gueule. On va se sortir de là. Continuer à attaquer devant, il a bougé, ce qui est pas stupide de sa part. Euh, il pourrait attaquer en biel, donc je vais m'esquiver sur le côté. Ah dommage, le poison strike dans le vide. Alors faut noter que les attaques euh, spéciales entre guillemets ont toujours un temps de recharge euh, un petit peu plus élevé. Hey, je t'avais vu venir mec. Je t'avais vu venir. Ouais. Là, par contre je l'ai pas vu venir. Et à probablement m'attaquer en biel. Flash. Oh putain, il a du bol ce bâtard, il a lancé un putain de 12. Quelle ordure. Alors que j'ai plus de skill que lui. J'ai intérêt à faire gaffe, j'ai plus beaucoup de stamina moi. Hein. Je vais le tenter ça, mais il y a quand même des chances qu'il m'attaque en biais là-dessus. Yep, c'était sûr. Et il va finir par me buter force. Qu'est-ce que c'est le clash tu l'as perdu mec Parfait victoire. Bon je l'ai très mal joué mais c'est pas grave. L'important c'est que je vous ai bien euh... expliqué comment tout fonctionne. On va essayer de désamorcer ce piège, ce qui est probablement pas une bonne idée. Des pièces d'or Fantastique, on va probablement pas avoir l'occasion de les utiliser avant longtemps, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a trouvé un banc de sauvegarde une fois de plus. Donc là, je vais me reposer, mais je vais également consommer mes euh, provisions parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu beaucoup de stamina. Donc euh, on va peut-être éviter de mourir, ce serait profitable. Donc là, j'ai récupéré plus 10. Et en route vers la suite de nos aventures. Donc je pense que vous avez compris euh, euh, le, le concept hein, à ce stade. Le jeu continue de la sorte et euh, tu euh, évolues à travers davantage de niveaux et tu vas évoluer jusqu'à davantage d'ambiance. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à sortir de ce niveau-là, donc je vais peut-être vous montrer ça. Euh... Je vais ouvrir cette porte-là. Je ne me rappelle plus. Il y a une des portes ici dans lesquelles il y a un, un prisonnier qui est assez intéressant. Parce qu'en gros, une des options que tu as notamment dans ce niveau, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais euh, une euh, une des options que tu as dans ce niveau, c'est de prendre un déguisement d'orque, qui est intéressant parce que ça te permet de te faire passer pour un orque à certains endroits euh, pour passer discrètement. Alors par contre, l'armure d'orque te donne moins 1 en skill parce qu'elle n'est pas à ta taille. Mais par exemple, si tu arrives ici avec le déguisement d'orque, lui il croit que tu es un orque. Alors que lorsque tu crois. Lorsqu'il ne croit pas que tu es un orc, tu peux essayer de le libérer. Alors que si t'arrives avec le déguisement d'orc, t'es obligé de le tuer, lui. Et du coup, tu ne, pas, tu ne récupères pas le plus 1 en chance, ce qui est évidemment euh, pas cool. Alors, le revers de la médaille, c'est que lorsque tu passes sur ce pont avec le déguisement d'orc, tu peux passer tranquillement, alors que lorsque tu n'as pas le déguisement d'orc, tu dois affronter... Euh, les gardes gobelins, ce qui en plus n'est ne, pas nécessairement le, le combat le plus facile de l'univers. Donc, euh, t'as as un certain degré comme ça de décisions qui ont plus ou moins de valeur en fonction de ce que t'as dé décidé de faire. Okay, on va bouger là. Vous pouvez voir que deux ennemis peuvent pas bouger sur la même case et que parfois ça peut leur poser des gros soucis. T'es mort. Euh, malheureusement mon Left Slash et mon Poison Strike sont en train de se recharger. Et du coup on va bouger là. On va tenter un poison strike là mais je pense qu'ils vont bouger tous les deux ouais. Je m'en doutais un peu. Cela dit si j'avais réussi le poison strike là-dessus, c'était juste la meilleure attaque de l'univers. Kaboom. Okay, on va continuer là-dessus. Toi t'as bougé, toi t'as pas attaqué sur moi. Tenter... On va tenter un left slash, ouais voilà. Je m'en doutais que t'allais bouger là, toi. Il va probablement attaquer en diagonale, lui, donc on va dégager. Ouais, ça c'était relativement prévisible, et idiot de ma part. Ah, vous avez le chic pour pas bouger dans la direction où je veux, les amis. Et toi t'as pas bougé non plus. Si j'avais mon poison strike, là, ce serait une bonne option. Parfait... Toi tu vas probablement attaquer en biais. Je vais attaquer là des fois qu'il décide de bou bouger dessus. Voilà. Victoire et on peut passer au prochain niveau entre guillemets euh, de l'aventure. Voilà. Donc euh, on va avoir... Je me rappelle plus quel levier. C'était pas le bon levier, j'ai perdu un point de skill, c'est dommage. Et là, on va arriver donc, dans une deuxième ambiance, deuxième niveau. Ça, c'est un personnage que tu croises par exemple avec euh, ce héros-là, mais pas nécessairement avec d'autres. Donc, tu as, euh, tu as quand même des, des euh, rencontres différentes en fonction de ce que tu essayes d'accomplir. Puisque lui, par exemple, je peux lui poser des questions sur Cosben Binamin, qui est l'objectif de la quête de ce personnage-là, vu que je veux. Euh, récupérer l'amulette d'Ashra qu'il a sur lui. Donc, euh, ça peut être un moyen d'avoir des informations supplémentaires sur ta quête en fonction du personnage que tu joues. Donc, je vais m'arrêter là euh, sur cette vidéo de The Warlock of Firetop Mountain. Honnêtement, j'aime beaucoup le gameplay du jeu parce qu'il rappelle vraiment beaucoup ces livres, jeux de rôle dont tu es le héros. Et euh, j'aime bien la présentation du jeu qui, malgré son côté évidemment très modeste, pour ne pas dire médiocre, sur le plan technique euh, a vraiment été créé de manière à rappeler un petit peu les euh, bons vieux jeux de plateau avec euh, décors modulables et compagnie. Cela étant dit, je ne le dirai jamais assez, le fait que le donjon n'a pas de génération procédurale, le fait que c'est toujours le même donjon que tu explores rend le jeu vraiment répétitif et beaucoup moins rejouable, rejouable qu'il devrait l'être. Et du coup, le fait que chaque aventure ne dure qu'un petit peu plus d'une heure, bon après évidemment ça peut prendre plus longtemps si tu meurs plusieurs fois ou si même tu meurs tout court et que tu dois recommencer, hein. mais le fait que techniquement partir du point A et arriver à ton point B peut ne prendre qu'un petit peu plus d'une heure, bah, ça donne un côté assez euh, élevé au prix. Euh, parce que le jeu est vendu 20 euros. Et honnêtement, si le donjon avait été procédural, euh, ça m'aurait pas extraordinairement choqué que le jeu aurait été à 20€. J'aurais probablement dit 15€, ça aurait été mieux. Mais ça m'aurait pas extraordinairement choqué. Là, je dois avouer que 20€, je trouve ça beaucoup trop cher. Parce que j'aime bien l'expérience, hein, je trouve ça fun. Euh, ça me rappelle les années 80. Ça me rappelle les, les livres jeux de rôle dont vous êtes le héros, qui étaient des livres cool. Le problème étant que j'ai pas spécialement envie d'y rejouer après l'avoir fini parce que tout simplement le donjon est le même. Alors oui, je vais rencontrer quelques personnages différents. Oui, je vais avoir quelques petits événements qui vont se passer d'une manière différente en fonction du héros que je joue. Mais ça m'intéresse pas suffisamment pour euh, réellement avoir envie de refaire l'aventure avec tous les héros parce que l'expérience de jeu, bien qu'elle soit un petit peu différente, n'est pas sensiblement différente, n'est pas suffisamment différente pour que j'ai envie de recommencer encore et encore et de débloquer le reste du casting, surtout vu le coût en âme euh, que ça coûte de débloquer les personnages supplémentaires. Donc je pense que c'est vraiment là le plus gros problème du jeu. Et je sais que de nos jours, les jeux à génération aléatoire ou procédurale ou assimilés, c'est pas toujours le meilleur moyen d'arriver à ses fins, parce qu'on a pu voir que c'est parfois justement un problème, la génération procédurale aussi. Mais ici, c'est vraiment ce qu'il lui fallait à ce jeu, et c'est vraiment ce qu'il a pas. Et du coup, je trouve le jeu beaucoup trop cher pour ce qu'il offre. Parce que vous allez l'acheter, vous allez le finir en une heure, une heure et demie, grand max. Et j'ai du mal à croire que grand monde ait super envie de recommencer l'aventure avec quelqu'un d'autre. Juste parce que ta quête va être un petit peu différente et que tu vas croiser quelques personnages que t'as pas vu dans l'aventure d'avant et que tu vas peut-être euh, pouvoir passer discrètement là où auparavant t'étais obligé de passer par la force. Ça change pas suffisamment l'aventure je pense pour justifier la rejouabilité et du coup plutôt qu'être rejouable le jeu est répétitif ce qui est beaucoup moins bien en fait. Donc ouais j'aime vraiment l'expérience mais le jeu a quand même un très très gros défaut à mes yeux. Éventuellement, une fois qu'il sera bien violemment soldé, c'est tout à fait un jeu sympa, mais c'est vraiment vraiment dommage qu'il n'y ait pas soit une génération en aléatoire du donjon, comme je l'ai dit, ou alors plusieurs donjons. L'un ou l'autre aurait vraiment été euh, un bon moyen de remédier à ce problème de répétitivité. Quoi qu'il en soit, je trouve que la boucle de gameplay est sympathique. Voilà, c'était un coup d'œil sur The Warlock of Top Mountain. J'espère. Que ça vous en a au moins appris un petit peu plus sur le jeu et comme d'habitude je vous dis ciao à tous